Le parc de Saône-et-Loire est un OPAC départemental, est un OPAC qui a 90 ans, un OPAC qui a construit son histoire sur l'industrialisation en Saône-et-Loire, sur des bassins comme le Creusot, comme Monceau, et qui ont contribué à amener de la valeur ajoutée et de l'économie dans ces territoires. Depuis 2008, la crise économique a fragilisé le modèle économique de l'OPAC avec une vacance assez forte qui est apparue et qui nous amène aujourd'hui à une vacance de l'ordre de 10% technique et commerciale. L'OPAC, c'est 600 collaborateurs répartis sur 6 agences sur les principaux pôles du département et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 110 millions d'euros et une capacité d'investissement annuel de 90 millions par an. La RLS arrive à un moment où nous sommes en pleine montée en charge et nous fragilise davantage. Très clairement aujourd'hui, la conjugaison de la RLS et de la vacance, c'est 10% du chiffre d'affaires annuel en moins à partir de 2020. Donc, de fait, un modèle économique extrêmement fragile et surtout un modèle d'exploitation qui est d'ores et déjà touché. D'abord, il faut essayer d'anticiper en imaginant finalement quelques mesures à court terme. Et ce qui nous a animés depuis l'année dernière avec le conseil d'administration, les équipes, les collaborateurs, c'est déjà un certain nombre de mesures très concrètes de diminution de coûts de gestion. Or, depuis 2008, nous avions fait beaucoup d'efforts en matière de réduction des coûts de structure, donc nos marges étaient relativement faibles. Mais nous avons fait ces efforts très clairement sur la maintenance, très clairement sur la masse salariale, et notamment en arrêtant les programmes de démolition. Mais le compte n'y est pas. C'est-à-dire que 10% de chiffre d'affaires en moins, c'est de l'ordre de 10 millions en fait, de recettes en moins. Aujourd'hui, c'est 3 millions. Donc, premier élément, un travail mobilisé avec le conseil d'administration sur la nécessité de lancer ce que nous avons appelé un audit de sauvegarde. Audit de sauvegarde parce que l'avenir pour l'OPAC était incertain. Nous avons fait appel à un cabinet, le cabinet Webstone, qui nous a accompagnés déjà dans un premier élément de comparaison. Comparaison au travers de son observatoire sur nos coûts de structure, nos différents segments d'activité et quelque part, regarder si les choix politiques qui avaient été les nôtres nous permettaient effectivement de nous dire que nous étions sur une comparaison équilibrée ou non. C'est la première phase qui nous a accompagnés, c'est-à-dire plutôt une logique de gestion. Au jour d'aujourd'hui, et c'est le chemin que nous avons fait avec ce cabinet, c'est de se rendre compte que ce raisonnement ne suffit pas. Ce raisonnement nous permet donc de pouvoir équilibrer notre section d'exploitation, mais retrouver un modèle économique, c'est autre chose. Je ne vais pas m'associer à cette fameuse phrase, c'est-à-dire un mal pour un bien. Oui. Franchement, il y a quelque chose qui est d'une forme un peu... et qui est vécu par les équipes comme étant une forme d'injustice, c'est-à-dire avoir fait les efforts, travailler en permanence à la réduction des coûts et à l'optimisation de la performance, et se voir comme ça touché en Bourgogne, de la même manière que peut-être en d'autres régions de France où les marchés sont un peu plus tendus, il y a une forme de, le terme est un peu fort, j'entends, d'injustice. Pour autant, le travail qu'on a fait avec le cabinet, ça a été de se dire, et si finalement il y avait matière à réinventer notre fonctionnement et réinventer un autre modèle, un modèle économique. Autrement dit, on est passé d'une approche de gestion à une approche plus prospective, plus politique. Et aujourd'hui, c'est la deuxième phase. C'est la phase qui nous permet de nous dire les comportements sociétaux changent. La digitalisation est présente dans les usages en fait, de tout à chacun, chez nos locataires, mais aussi chez les consommateurs. Il faut que nous puissions, nous aussi, investir sur ces segments. C'est vraisemblablement en fait le dossier qui sera présenté à un prochain conseil d'administration d'ici la fin de l'année pour se dire, voilà, derrière la gestion, il y a une nouvelle stratégie à adopter. Et cette nouvelle stratégie, elle passera durant 3-4 ans sur une recomposition finalement de notre modèle d'organisation, de la numérisation, une nouvelle stratégie et peut-être durant cette période d'un ralentissement de l'activité pour retrouver en 2025-2026 un modèle économique plus vertueux.